Allez, la coupe n'est encore pas attribuée pour le club qui nous a mis le plus d'ambiance. Il y a encore quelques ans. Montrez-vous, faites du bruit. Insistez. La coupe est pas tout à fait gagnée. On vous défend. Le driver. Le driver. Les bruits sont repartis. Un petit commentaire de qui fait mieux, franchement. C'est la 11e bruit pour celui qui veut. Alors. On commence par quoi dit, quoi donc. À la deuxième place de ce top 3 féminin, nous avons le véhicule numéro 35. La propriétaire du véhicule numéro 35. Ah bah ça c'est gentil. Ce qu'il faut pas. Alors il y a des clubs qui sont venus d'un petit peu partout et puis ça on peut les en remercier parce que c'est vrai que c'était pas évident. Il y a des clubs du Mans par exemple. Ouais, de jouer les tours à côté. Ouais, il y a des clubs aussi qui viennent du 49. Ouais, du côté de Cholet. Qui organisent leur meeting quand 2012. Non, rigole. En plus, il fait des fautes d'orthographe, je vous dis bon. Alors, pour le club le plus loin, hein ? D'accord. Donc, le club le plus loin qui est venu, c'est... Alors, excusez-moi si je le dis mal... L'Urban Street Racer. Ouais, ceux qui viennent de plus loin. On le mérite bien parce qu'en plus, cette petite coupe là, je crois bien que c'est à lui. Donc, il a mérité bien sa petite coupe. Hein. Il n'a pas fait semblant, il est venu de loin pour tout nous laisser là. Donc, il y a aussi quand même plusieurs clubs qui sont venus, mais il y en a un. Je pensais qu'il pouvait faire mieux que ça. Hein. Exceptionnellement, on a deux ex-échos. Mais alors, quand je vais prononcer leur nom, j'aimerais bien que les deux ex-échos se mettent les deux ensemble pour faire du bruit. Hein. Alors, c'est pas moi qui vais les annoncer, tiens. Ah, les deux ex-échos, ça va être le président qui va quand même les annoncer. Bon, quand même, merci à tous d'être venus. Je suis vraiment content d'avoir eu autant de voitures. À la base, on a engagé ça. On s'est engagé avec Christophe aussi qui nous a vachement aidés. Et après,